Cari fratelli e sorelle, chers frères et sœurs, grazie. La liturgia di questa domenica, merci. Rivolge a noi cristiani, la liturgia di questo dimanche adresse a noi, les chrétiens, ma in même temps a tous les hommes e a tutte le femmes, questions. La prima chiesa d'oro, la gente che dice che si è figli dell'uomo, e si risposero che per alcuni del popolo egli era Giovanni Battista redivivo, per altri Elia, Geremia o qualcuno dei profeti. Allora il Signore interpellò direttamente i dodici: voi chi dite che io sia? E a nome di tutti, con slancio e decisione, fu Pietro a prendere la parola: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Solenne professione di fede che da allora la Chiesa continua a ripetere. Anche noi, quest'oggi, vogliamo proclamare con intima convinzione: sì, Gesù, tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Nous voulons proclamer: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous le faisons en pleine conscience. Le Christ est le vrai trésor pour lequel tout quitter. Lui est l'ami qui nous ne nous abandonne jamais, car il connaît les attentes les plus intimes de notre cœur. Jésus est le Fils du Dieu vivant, le Messie promis, venu sur terre pour offrir à l'humanité le salut et satisfaire la soif de vie et d'amour qui est dans chaque être humain. Accogliendo questa annuncio, si on accueille cette annonce qui porte avec soi joie et paix, quel avantage pour l'humanité tout entière. Cristo, il Figlio del Dio vivente, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. À cette profession de foi de la part de Pierre, Jésus répond: su questa pietra edificherò la mia chiesa. Tu es Pierre. Le porte degli inferi. Et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. C'est la première fois que Jésus parle de l'église. La mission de l'église est de réaliser le dessein grandiose de Dieu, de rassembler dans le Christ l'humanité tout entière dans une seule famille. La mission de Pierre et de ses successeurs est celle d'être au service de cette unité, de l'unique Église de Dieu, issue du peuple juif et des païens. Son ministère nécessaire, c'est de réaliser une Église qui ne s'identifie jamais avec une seule nation, une seule culture, mais que ce soit l'Église de tous les peuples pour manifester parmi les hommes, marqués dans des innombrables divisions et affrontements, la paix de Dieu et la force de son amour qui nous renouvelle. Être au service de l'unité intérieure qui est un fruit de la paix de Dieu, unité de tous ceux qui, quand Jésus-Christ, sont devenus frères et sœurs. Voilà la mission du pape, évêque de Rome et successeur de Pierre. Confronté à cette énorme responsabilité, je sens jour après jour l'importance et la difficulté de ce service à l'Église et au monde que le Seigneur m'a confié. C'est pour ça que je demande à vous, chers frères et sœurs, de me soutenir avec votre prière, afin que, fidèles au Christ, nous puissions ensemble annoncer et témoigner sa présence dans ce monde. Nous demandons cette grâce à Marie, mère de l'Église et étoile de l'Évangile. Dell'evangelizzazione. Angelus Domini annunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini. Iat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitabit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis sancti Dei genitrix. Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii tui incarnatione coniovimus, per passionem esit crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, la situazione internazionale, chers frères et sœurs, la situazione internazionale manifeste dans cette semaine des tensions davantage difficiles. Il faut constater avec tristesse le risque d'un progressif perte de confiance e collaboration parmi les nations. Come non misurare nelle presenti circostanze tutta la fatica dell'umanità. Dans les circonstances d'aujourd'hui, nous saisissons la difficulté de l'humanité à former cette conscience commune d'être famille des nations, que le pape Jean-Paul II avait montré comme idéal à l'Assemblée générale des Nations Unies. Occorre approfondire la consapevolezza. Il faut approfondir la conscience d'être rassemblé par le même destin, un destin transcendant, pour ne pas tomber dans des contrapositions d'origine nationale tant tragiques qui ont donné des conséquences tragiques dans d'autres saisons de l'histoire. Les événements récents ont affaibli dans beaucoup la confiance que des expériences si dangereuses soient seulement confiées dans le passé. Mais il ne faut pas tomber dans le pessimisme. Il faut plutôt s'engager activement afin de repousser la tentation d'affronter de nouvelles situations avec des moyens anciens. La violence doit être refusée. La force morale du droit, de colloques clairs et honnêtes pour surmonter les difficultés, les oppositions, à partir de celles issues par l'intégrité territoriale et l'autodétermination des peuples. Il faut
Être fidèle à la parole donnée, rechercher le bien commun. Voilà les routes qu'il faut parcourir avec force et créativité pour bâtir des relations fécondes et sincères et pour assurer aux générations d'aujourd'hui et aux générations du demain un temps de paix et de progrès moral et civil. Que ce pensée, ce vœu devienne prière afin que tous les membres de la communauté internationale et surtout ceux qui ont des responsabilités puisse travailler avec générosité pour rétablir les raisons de la paix et de la justice. Marie, reine de la paix, intercède pour nous. Reine de langue française, venu prier l'Angélus avec le successeur de Pierre, le premier des apôtres à qui le Seigneur a confié les clés du royaume, a reçu la mission d'être le fondement sur lequel le Seigneur bâtirait son Église. Merci à vous qui m'accompagnez de votre prière et de votre affection. Merci. Dans le ministère qui est le mien, que le Seigneur fortifie notre foi et nous fasse toujours vivre et agir selon les pensées de Dieu, avec ma bénédiction apostolique. I'm happy to greet all the English-speaking pilgrims and visitors present for Los Angeles. Et maintenant, le pape salue les pèlerins de langue anglaise. Today's liturgy reminds us that as Christians, la liturgie d'aujourd'hui rappelle la profession de foi de Pierre dans le Christ, le Fils du Dieu vivant. Grâce à notre appartenance à l'Église, nous demandons le courage pour témoigner notre foi dans le Christ, notre Sauveur. Je vous souhaite une bonne journée à Castel Gandolfo et en Rome. Et maintenant, les saluts aux pèlerins de langue allemande. Heute heiße ich besonders die Mitglieder der geistlichen Familie das Werk willkommen, die in diesen Tagen eine Pilgerreise auf den Spuren des heiligen Paulus unternehmen. In der zweiten Lesung. In der zweiten Lesung des heutigen Sonntags rühmt Paulus die Weisheit Gottes, die in seiner unendlichen Liebe ihren Ursprung hat. Der Herr schenkt uns seine Liebe und damit schenkt er sich selbst. Wir sind eingeladen, Gottes Helfer zu sein und seine Güte in der Welt sichtbar zu machen. Der Heilige Geist begleite euch auf allen euren Wegen. Saluto cordialmente a los peregrinos de lengua española. Et maintenant, les pèlerins de langue espagnole. Che partecipano in questa orazione mariana, in particolare ai membri della Real Arcicofradia di Gesù di Medina Celi di San Fernando, Cadiz.
Al dirigirme a vosotros, deseo asegurar que continúo rezando por el eterno descanso de los fallecidos en el trágico accidente aéreo ocurrido el pasado miércoles en el aeropuerto de Madrid, así como por los heridos en el mismo. Le pape manifeste sa participation à la désastre aérien qui est que mercredi à l'aéroport de Madrid a fait plus de 150 morts. Le pape manifeste son affection et sa proximité à tous ceux qui ont été blessés par cet accident. Pozdrawiam Polaków! Et maintenant, le Polonais. Dziękuję. Dzisiejsza Ewangelia przypomina wyznanie Piotra: Ty jesteś Mesjasz. L'évangile d'aujourd'hui nous rappelle la profession de foi de Pierre: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà les contenus fondamentaux de notre foi. Jésus-Christ, Fils de Dieu, il se fait homme, il est mort et ressuscité pour notre salut. Cette vérité façonne notre vie afin que nous puissions participer à sa gloire et que Dieu vous bénisse. Saluto infine con affetto i pellegrini di lingua italiana. Et finalement, pour les Italiens, in particolare i gruppi parrocchiali di Cemona del Friuli e di Miane. Saluto poi i fedeli di Ania, Massa di Tuano. Le pape salue plusieurs groupes paroissiaux. Et Caltanissetta, comme pure quelli venuti dalla Basilicata. Et à tout le monde, il souhaite une bonne dimanche. Da Ferentino e da San Cipriano d'Aversa. I giovani di Tripuzzi. E gli anziani di Marino. A tutti voi auguro una buona domenica, una buona settimana, grazie, tanti auguri. Bon dimanche, bonne semaine, merci à vous tous.